Votre attention, s'il vous plaît. Certainement, vous savez pourquoi on vous appelle. Parce que c'est une tradition ici, à Kamban. Chaque fois qu'on célèbre les journées culturelles, le dernier jour, à cette heure précise, est réservé à certaines pratiques. C'est-à-dire honorer ceux qui se sont manifestés lors de ces journées culturelles. Et de manière générale également, toute l'année. C'est pourquoi on vous a appelé et on a choisi parmi nous certaines personnes qui sont illustrées par leur travail, leur abnégation, leur engagement dans les activités que nous menons. Donc on les félicite, mais on encourage en même temps les autres à faire de même. Parce qu'ici à Kamban, quand on travaille, n'est-ce pas, l'administration tient à manifester son plaisir à honorer ceux qui travaillent véritablement. Et c'est pourquoi aujourd'hui on répète la même chose. Alors parmi les lauréats de cette année, nous notons Monsieur Malick Diaye pour son engagement avec efficacité et loyauté dans la coordination des projets de l'établissement. Ce cadeau lui sera remis par Madame la Directrice Générale. Il est accompagné d'un petit montant pour qu'il puisse... Symbolique. Une somme symbolique simplement pour qu'il puisse se payer une tasse de thé. Merci. Pas essence, juste café. Merci. Essence, on ne peut pas renoncer. D'accord. Merci. Merci encore. Alors, nous avons Madame Fall, née Ariel Nyan, pour sa participation effective au projet de l'établissement. Le cadeau sera remis par Monsieur le Principal. Yes, consommez local. Le cadeau est accompagné d'une petite enveloppe qui vous permettra de contenter Monsieur Fall pour les 16 absences. Alors, nous honorons également quelqu'un pour sa présence permanente, pour le soutien qu'il accorde aux internes grâce à son dévouement. Je veux parler de M. Abdourahman Dabo. Le cadeau sera remis par M. Gay. Le cadeau sera remis par M. Insa Gay. Ce cadeau sera remis à quelqu'un pour son engagement. Quelqu'un pour son engagement dans les activités extramuros. Il s'agit de M. Massar Sen. Le cadeau sera remis par M. Malick Diaye. Yes. Et avec une petite enveloppe. Oui. Alors, cette dame a été récompensée pour son engagement réel et son implication assidue dans les projets de l'établissement. Il s'agit de Madame Diouf Ney Aondoy.
Le diplôme sera remis par Monsieur Sané. Monsieur Sané. Et une petite enveloppe pour que Monsieur ne se fâche pas. Le sable. Des œufs quoi. Ouais. Merci. Yes, merci à toi. Alors, puisque à Kamba nous formons une famille, c'est tout le personnel, mais c'est également les élèves. Nous avons vu cette année qu'il y a deux élèves qui se sont illustrés par leur comportement en participant activement aux activités culturelles. Il s'agit de Seyna Bouba. Elle est où, Seyna Bouba? Un diplôme d'encouragement. Voilà. Comme elle, pour mériter un diplôme d'honneur. Alors, le deuxième, qui s'est illustré également pour sa participation remarquée et remarquable aux journées culturelles, il s'agit de Elhaji Abdoulaye Diallo. Il sera remis. Le diplôme sera remis par M. Pan. Alors, il s'agit d'un diplôme qui est remis à Mme Véronique Petitin pour son assiduité, sa rigueur concernant la formation des professeurs et élèves dans le cadre du journal Kambal Actu. Merci et à l'année prochaine.